Là, c'est ma soeur qui va courir avec le Raman Diaye. Elle va faire le saut de haie. Maman, c'est bien, maman. Là, ma soeur, elle a couru et elle est arrivée première au saut de haie. Bravo, grande soeur. La rame elle a réussi. Là à chaque fois Brahma là il est qualifié. Parce qu'à chaque fois qu'il monte, il monte, ça devient de plus en plus dur pour elle. Et là Rama elle a réussi, elle vient de passer. Et là elle a réussi. Yeah! Allez Rama, record! C'est bien ma chérie, prends ton souffle! Bravo, bravo! Allez, voilà donc présentation du podium des Saint-Amine. La troisième, elle est du Saint-Sevillais, section locale de l'enfance athlétique, le plateau Est. Il s'agit de Marine Béronnier. La deuxième de l'AS Sport Autonome du Havre, Cyrine Boulabas. Et la première, c'est la championne régionale poussine sortante l'année dernière à Ixo. Elle est donc passée dans la catégorie Benjamin. Elle est de la FPTRO Asiraman Diaye. Félicitations donc aux trois premières en Benjamin.
retrouvera lors des championnats régionaux avec les athlètes de l'heure. Ça sera le donneur de Grand-Manchon. Et j'ai demandé à Girama de ne pas partir du podium et de demander les poussines de la SPT. Alors voilà, on est mardi 19 janvier, aujourd'hui c'est le cross du réseau Bessorici qui réunit les CM2 et les 6e. On a un reportage vidéo et photo pour le journal du Rhin, fait par Monsieur Ndiaye. Et voilà, on souhaite bon courage à Girama, qui sera peut-être l'égal de ses sœurs aujourd'hui. Et que tous les enfants participent, s'amusent et prennent du plaisir à faire le tour du cross. Et voilà, c'est parti. Viens, moi chérie, prends ta respiration. En fait, bah, on a fait les tours légèrement. Après, ils ont lâché la corde. T'as bien couru, c'est une faute. Ouais, après, on a fait les tours. C'est bien. Après on a fait les deux tours, après je suis arrivée première. Et tu leur as laissé combien de mètres d'avance? C'est à peu près un... C'était pas équitable, fallait faire trois tours moi je te dis. Fallait faire trois tours, c'est pas... Iman! Oh!
C'était les meilleurs. Trois sympas. Je te serre la main. Bravo, jeune homme. Je sais pas où tu joues, mais tu joues bien.
Attends, je prépare mes objets. Alors, le qui suis-je ? Aujourd'hui, nous recevons Illiman. C'est le jeune garçon qui a dans le public qui a là, qui a 11 Illiman. Ans. Lève-toi, Illiman. Lever... Bonjour. Regardez, voilà. Il est là. Ce garçon fait quelque chose d'exceptionnel, évidemment, dans sa région. À travers trois indices, nous allons essayer de deviner, vous aussi à la maison, de quoi il s'agit. Alors, allez-y. Premier indice, il a eu 11 ans il y a quelques jours, Illiman. Premier indice... Oui, ce journal, regardez... La une de Normandie, c'est important ça, Jean-Loup. Hein, oui, le Coupe du Monde. C'est le journal important d'ici, Paris-Normandie. Alors, Paris-Normandie, regardez ce qui a marqué, il rêve de Coupe du Monde dessus. Ah, oula, c'est ça, un ça boxeur dire... Et non. Non, 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 non. C'est un quoi jeune, Illiman, hein. Non, est-ce qu'il a physique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Montrez-nous un deuxième élément. C'est un athlète. Je cache l'indice. C'est la Coupe du Monde. Alors, c'est la Coupe du Monde. On la reconnaît. De quoi? À quoi il joue? Bah ça, ce que vous avez dans les mains, non? À quoi? J'ai quoi dans les mains? Le foot. Il joue au football, Illiman. On peut appeler ça un champion, je pense. Vous allez voir. Fais-moi une petite place. Illiman, pardon, monsieur. Voilà, très bien. Alors, tout a commencé, il avait un an, Illiman. Un an seulement. Un an. Il s'est rendu au Sénégal chez son grand-père. Et là, il a commencé à dribbler avec tout ce qu'il trouvait dans la maison. Et là, son grand-père lui a dit, il faudrait peut-être qu'on lui achète un ballon. Et tout commence ici. C'est une véritable star sur Internet, parce que si vous allez sur Internet, vous tapez son nom, vous allez tomber sur ses vidéos. Sa spécialité, c'est Illiman. Quelle est ta spécialité ? Demande-lui. Le dribble. Le dribble. Je crois le que dribble. C'est... Il le dit, il le dit, mais on va faire une démonstration tout à l'heure. Je pense que Laurent... Ouais. On prendra la contribution. Vite, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le foot? On va voir quelques images de toi d'ailleurs. Raconte-nous un petit peu. Donc, il joue au FC Rouen, bien sûr. Il est né ici et il joue depuis des années ici. C'est une graine de champion. Alors, c'est quoi ces images, Illiman? Tu nous dis un petit peu? Ou tu veux jouer directement? Non, non, il a envie de jouer. Il a envie de jouer. Alors, voilà. Regardez le dribble là que vous voyez à l'écran. Il a été. Regardez ce dribble. Alors ça, c'est un foot en salle, hein, c'est ça, Illiman? Oui. Il y a une différence entre le foot classique et le foot en salle? Ouais, c'est que le foot en salle, on joue avec des chaussures normales, sans crampons. Ouais. Et sur le terrain, on joue avec des crampons, en dehors. Eh oui. D'accord. Il a été champion l'année dernière de foot en salle, d'ailleurs. C'est un grand champion. Il a 11 ans. Et vous allez voir, parce qu'il vaut mieux le voir directement jouer, Laurent. Ouais. Vous voulez regarder avant d'essayer ou vous voulez essayer d'abord? Je vais essayer avant parce qu'il va mettre une tannée. Voilà. Vas-y, tu le regardes et tu fais comme lui après. Hein. Ah, allez. Regarde bien comment je fais, Illiman. Hein. T'es d'accord? Et après, tu me suis. Hein. Ah, voilà. Pas mal. Voilà, ça c'est du dribble. Donc là, super, bravo. Et là, maintenant, on va voir Illiman alors. Maintenant, Illiman, 11 ans, à toi. C'est tout. Alors, Illiman, quand tu veux. On l'appelle le futur Zizou. C'est le futur Zizou, le regardez. Petit Maradona, le petit Zidane, enfin vous mettez le qualificatif que vous voulez. Hop là, regardez cette figure. Hop, et ouais. Et il est de Rouen, voilà. Illiman a 11 ans, on vous il le rappelle. Il a 11 ans. Caméra quand même. Il est formidable. Illiman, hein. Ce qu'il faut dire aussi surtout, c'est que c'est sa première télé. Alors rendez-vous dans, allez, on va te donner 10 ans, 15 ans, papa, on lui donne 10 ans. Ça sera sa première télé, ça sera dans Midi en France, voilà, c'est tout. Bravo Alia, bravo Illiman. C'est très impressionnant, hein, le petit Illiman, 11 ans. Si vous voulez en voir plus, regardez, il y a des démonstrations, vous tapez Illiman sur un site. Dans tous les grands sites, vous tapez Illiman et ça marche. Le père d'Illiman me confiait en coulisses tout à l'heure que lui-même était chorégraphe. Et je trouve que dans les premiers mouvements que tu faisais, il y a quelque chose de dansé vraiment. Hein. Ou est-ce que le papa a dû passer par là, je pense? Oui, absolument. C'est de la danse, regardez. Il est formidable. Et puis là, on a vu vos œuvres comparées à celles de ce petit garçon. Ce matin, j'étais meilleur à la répète. Vous étiez ridicule là. Non, là, j'étais ridicule, mais bon.
Mais j'adorais ça aussi quand j'étais gamin, Jean-Loup. Oui, je me demandais à quel âge, par exemple, Amaury Vassili avait découvert pour lui la voix, à quel moment, parce que là, on a un champion de 11 ans. Pas aussitôt.